Abbé. Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau confirment le talent de ce nouvel écrivain, un homme du terroir samaritain qui met en scène son grand-père, conducteur de locomotive. Édouard Estripeau, Michel Joseph sont allés à sa rencontre. Deux prestigieux écrivains, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, pour affirmer urbi et orbi qu'un autre écrivain est bel et bien né. Miguel Duplan, retenez bien son nom, fera certainement les beaux jours de la littérature antillo-guyanaise. Un début de maître pour un premier roman, couronné par le prix Carbet, c'est dire que cet ouvrage ne passera pas inaperçu. D'ailleurs, il est déjà presque introuvable dans les bonnes librairies. Acier, c'est le titre du roman, a été plébiscité par le jury et par les lecteurs parce qu'il est authentiquement moderne, mais pas seulement. Quand on ouvre cet ouvrage qui est très mince, on s'aperçoit tout de suite qu'on a affaire à un écrivain. Tout de suite. On est en présence d'un écrivain avec ses qualités de réserve. Ce n'est pas un folkloriste. C'est pas quelqu'un qui s'apitoie, qui fait le camp. Qui fait le compte de tout nos malheurs, etc., qui se lamente, etc. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui, avec intuition, précision et qualité, fait un état de la Martinique et de Sainte-Marie à un moment donné. Il raconte pas une histoire. Et Édouard Glissant d'ajouter que ce sont les non-dits qui font le charme et créent l'atmosphère de ce roman. Miguel Duplan a visiblement réussi un tour de force, donné à l'imaginaire toute la puissance de la locomotive de son grand-père. Bon, l'acier, j'ai tout de suite compris que c'était un surnom, parce qu'à l'époque, Mossofea, l'acier, bois moudon, etc., on avait beaucoup de noms qui déterminaient un caractère. Je savais qu'on avait affaire à une espèce de major, un type très très dur. Mais ce qui m'inquiétait lorsque j'ai pris le livre pour commencer à le lire, c'était qu'il risquait de tomber dans la nostalgie narrative, parce que tout le monde a des souvenirs de famille, tout le monde a des romans sur la grand-mère, le grand-oncle, et moi-même, chaque fois que je vais dans une rue, on me dit, ouais, il faut venir voir ma grand-mère, parce qu'elle a, etc. Alors que là, il aurait pu tomber dans un piège, et ça, il évite pratiquement tous les pièges sont évités, et il arrive à faire vivre Sainte-Marie, les années 50, les locomotives, à dessiner son grand-père, sans rien dire de tout cela, simplement avec une phrase extrêmement simple, extrêmement sobre et d'une grande modernité. La sobriété de Miguel Duplan construit d'ailleurs petit à petit tout son talent. J'ai toujours vécu avec cette idée que j'étais fondamentalement samaritain et que les paysages de Sainte-Marie, les gens de Sainte-Marie, les odeurs de Sainte-Marie sont toujours très présentes en moi. Et qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, on n'arrive jamais à se défaire de toutes ces images qui datent des enfances. Une enfance de bonheur moulée dans l'acier d'une plume authentique. Le menu du réveillon. Ibe récompense une œuvre littéraire, de fiction ou de réflexion, illustrant l'unité-diversité de la civilisation caraïbe. Cette année, le 17e Carbet de la Caraïbe a été décerné à Miguel Duplan pour son premier roman, L'Acier. La cérémonie s'est déroulée à Cayenne, en Guyane, il y a quelques jours. Miguel Duplan est né à Fort-de-France en 1963, il y a donc 44 ans, et vit depuis 20 ans en Guyane, où il exerce le métier de conseiller principal d'éducation. Dans L'Acier, paru aux éditions L'Harmattan, il raconte la vie de son grand-père, conducteur de la locomotive d'une usine à sucre dans la Martinique des années 50-60. Il raconte également l'histoire d'amour de son père et de sa mère, un couple que tout sépare, la classe sociale, les préjugés raciaux. C'est à l'unanimité que le jury a publicité cet ouvrage pour l'originalité avec laquelle sont traités les grands thèmes de la littérature caribéenne. L'Acier a su également éviter des pièges de la nostalgie et du misérabilisme trop convenus. Dans cet ouvrage, Miguel Duplan fait le pari esthétique d'une création littéraire qui a fait le choix de montrer sans désigner, de dire sans raconter, tout en préservant la densité existante des personnages. L'Acier est un livre à savourer absolument. Notons que samedi, le 29 décembre, a été organisé dès 10h à la gare du train des plantations de la distillerie Saint-James à Sainte-Marie, une présentation du livre en présence d'Édouard Glissant, président du jury du prix Carbet, et de Patrick Chamoiseau, membre de ce jury. Bien entendu, l'auteur aussi sera là.
Il y a quelques jours, la Caisse des écoles a offert aux enfants... Et c'est tout simplement pour vous dire que l'objectif final, et je suis très content qu'une petite réunion comme ça puisse se tenir, et j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est simplement de transformer des anciens lieux de souffrance comme l'usine aujourd'hui, comme elle était jadis, en lieu de culture aujourd'hui, et donc de voir dans quelle mesure nous avons encore, malgré tout, des lieux qui sont des témoignages du patrimoine, de la culture et de l'histoire martiniquaise, qui sont ces usines centrales. Il y en a très peu d'ailleurs qui sont devenues en fait des distilleries. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est justement de réhabiliter un petit peu tout ça, de remettre des locomotives en marche à un niveau peut-être... à une dimension plus touristique, effectivement, de remettre des galeries d'art, de faire des fêtes, de faire des manifestations, de faire des journées ou des soirées littéraires comme celles que nous faisons aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que nous avons à créer cette dynamique-là, et c'est ça que nous essayons de faire. Donc c'est pour vous dire que nous pensons au niveau de Sainte-Marie être sur la bonne voie, et nous allons essayer de continuer sur cette voie-là. Merci. Il y a quand même Port-de-France, il y a d'autres, mais enfin, c'est quand même étonnant et c'est quand même précieux que quelqu'un de cette génération puisse tirer de ce monde des plantations, de ce monde des locomotives dont on n'a plus rien, puisse tirer un texte qui soit pour nous aussi contemporain.